Un couple originaire du Pays Basque est porté disparu au Mexique. Asia Majour et son conjoint Michel Amado, originaires du Pays Basque, ont disparu au Mexique. Un mois qu'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles. Leurs proches craignent qu'ils n'aient été enlevés. Depuis un mois, ils sont sans nouvelles de ce couple vivant au Mexique, mais originaires de Cibourg pour l'un et Alger pour l'autre, avec une famille au Pays Basque. Asia a donné de ses nouvelles pour la dernière fois le 25 août. Depuis, sa famille reçoit des messages étranges. Des messages qui disent qu'ils sont partis dans un centre spirituel à Chapia, mais pour sa famille, c'est impossible. Depuis, plus rien. Les messages que les proches envoient ne sont pas lus et n'ont aucune réponse. De quoi faire augmenter leur inquiétude. La famille a déclaré officiellement la disparition du couple aux autorités françaises le 30 septembre dernier et reste en contact quotidiennement avec les autorités mexicaines. Michel, 57 ans, est installé depuis plusieurs années au Mexique, où il possède des appartements et un hôtel. L'une des amies vivant à Barcelone se dit très inquiète. D'après cette amie, Michel voulait faire construire un second hôtel au Mexique. Il a continué à répondre aux textos, mais avec une faute d'orthographe par mot, ce qui ne lui ressemble pas. Il a aussi parlé de retraite spirituelle à Chapia, ce qui n'est pas du tout son genre. Cette amie lui a parlé au début de l'été et ne lui a jamais dit qu'il partait en vacances avec Asia. Or, il semblerait que son téléphone soit passé par la région de Yucatán, un téléphone qui aurait, pendant une période significative, refusé tous les appels, y compris ceux de ses propres enfants. De son côté, le ministère des Affaires étrangères confirme avoir été informé de la disparition des deux ressortissants français et mobilise ses services, tout comme le consulat général de France à Mexico, pour les retrouver. Le secrétariat à l'intérieur du gouvernement mexicain estime à 100 000 le nombre de personnes portées disparues depuis 1964.